au QSO pour ce soir. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, c'est normal, hein, les ondes appartiennent à tout le monde. Ça fait à peu près, on va dire, 2 heures que je suis sur les ondes. Et 2 heures que je suis sur les ondes et que, ben, on va dire, c'est choubouillant. Donc là, je suis sur la bande E et évidemment, monopolisé pour cette soirée par les Allemands et les Espagnols. Donc, une propagation un peu étonnante. Sachant que nous, dans le département du 06, c'est assez rare de les copier, enfin, pour moi, personnellement. Et surtout avec des radios comme ça, quoi. Hein. Donc là, il est en USB, mais j'en ai d'autres hein, qui sont en voilà, qui sont en FM. Vous allez voir la puissance qu'il a. Eu aici sunt pe maxim și totul să ne băteam. Îi dai să mă întâlnesc. Da, nu o să pățesc peste. Dar de are peste. Ah. Iar ăla, în fapt, sur presque tous les canaux. Sur presque tous les canaux, j'ai des Allemands, j'ai des Espagnols. Alors là, c'est en... Là, c'est en AM. Ah, les Italiens. Avec la belle chambre d'écho. Alors en AM, je ne vous explique même pas, c'est le foutoir sur le 27325. Et en USB, pouf! Voilà, LSB, alors en PA, non, il n'y a rien. Voilà. Donc là, c'est en FM sur le 27325. Donc les kilomics, c'est mort pour vous, hein, vos fréquences, elles sont squattées. Ce petit... Oh voilà. Carrément du morse. Ah, c'est énorme. Alors, on va passer en... Là c'est en AM. Alors ils arrivent quand même à moustacher. Du 100 Hz à chaque fois, entre 100 et 300 Hz sur les bandes. Alors là, c'est de la M. Je sais pas ce que c'est. On m'amuse. Alors. Allemand. Oh, il faut imaginer que 296, 295, 295. Il arrive à me moustacher, quoi, les trois. Ah, c'est du délire. Ah, j'ai compris, il a parlé de famille. C'est bien. Alors, et plus on descend. Voilà, 27275 en FM. Il a fallu que je change la batterie parce que la batterie était morte. Alors ils sont sur quoi eux? En AM.
Des Russes. Des Russes ou des Polonais, ou... enfin je pense des Russes. Je suis pas sûr. Ouais, Russes. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça les met sur quoi? En USB. Ouais, ça commence à se calmer là. Ce que je peux vous garantir, j'ai essayé, mais ouais, ça module sur toutes les fréquences. Toutes les fréquences sont occupées. Mais vraiment toutes, hein, c'est impressionnant. C'est la libération de l'Allemagne, hein. Alors là, c'est en USB. Qu'est-ce que ça dit en, FM? En AM. Bon, on descend. On va voir. J'ai rien. Alors, 2725, c'est quoi? Alors, c'est... Alors, c'est... Alors, c'est... Oh, c'est du délire total. Sur le 2725, il module en USB, en FM, en AM et en LSB. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez ça, je suis en USB. Je suis en LSB. Je... Non, PA, non. Je suis en FM. Et je suis en AM. Voilà. Et c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Mais ils se surmodulent les uns entre les autres. Hein. C'est un truc de fou. Et on dirait que je suis devenu le centre de la réception de la planète. Alors, on va arriver sur l'AM au minimum. 26 et les brouettes là. On a le droit. En AM, 26968. Alors là, c'est en AM, il y a de la surmodulation derrière. En USB, il n'y a rien. Alors, à mon avis, ça va être. Et voilà. La Hollande. De la Hollande. Ça vaudrait le coup que je lance un break. Tiens, on va faire l'essai, on va rigoler. Break, break. Je sais pas s'il va m'entendre. Hein. Un break en FM sur le 26 et quelques. Ah. Alors. Là, ça ressemble à de la... Là, c'est la FM. En USB, non. En USB, non. Ah, ils ont dû bouger. Non. Tant pis. Ils ont eu peur. Allez, on descend. On descend, on descend, on descend. Oh, y a rien. Alors, on va remonter. On va remonter plus haut. Donc. Alors, on va partir de 27. 27. Hein. J'ai dit quoi, moi? J'ai dit 27899, sachant que je n'irai pas moduler là. Hein. Et on va descendre, vous allez voir, en FM. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porteuse, une balise, non, voilà, ça disparaît, bizarre.
Alors, on descend. Alors là, c'est un peu normal qu'il n'y ait pratiquement rien là. J'avais tout à l'heure des Anglais ou je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris parce qu'il y avait trop de QRM. Voilà, ça s'est un petit peu calmé. Voilà. En fait, ces fréquences. Voilà, ça recommence, 625 mode. Italien. Ah, j'en suis à ma. J'en suis à ma deuxième tablette. J'ai pas de pub pour eux, mais il est bon le chocolat. Parce que sinon, je comprends certaines stations qui ont du mal à émettre ou même à recevoir vu le grand bazar que c'est, on va dire. En ce moment, avec cette propade qui monte et qui descend. 27625 en USB. Ah, il a réussi à trouver quelqu'un. Allez, on va descendre. Encore des Italiens. Et une moustache, en fait. Environ 200 à 300 MHz autour d'eux, hein, comme les Allemands. Ah. 27600, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors pour l'instant, il y a du QRM. Hein. Bon. Apparemment. Fausse alerte. Alors. Ah. 27605. Un QSO mais lointain. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Alors, là, ça. Là, il a parlé un petit peu avec un accent français, en anglais. Donc, c'est possible que ce soit un français sur le 580. Donc, il va redescendre sur le 3x5 dans la logique. Mais bon. On va voir. Alors, 27570. Après, il faut pas venir me dire ouais, mais j'ai mis qu'avec 10-12 watts en BLU. Hein. Parce que la puissance qu'il avait là, c'était pas 10-12 watts, hein. Ça se reconnaît à l'oreille. Bon, je jette pas la pierre. Oula. Alors, j'en ai eu quelques-uns là tout à l'heure que j'ai pas. Alors,
oui, c'est un contest. On voit quand même la différence avec les radios amateurs étrangers, ou les amateurs radio étrangers, dans le sens où ils vont plutôt lancer des appels intelligibles, que certains s'amusent en ce moment à faire des porteuses siffleuses. Voilà combien il me monte en signal et en radio. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, il y a du monde, hein. Et il est minuit et demi, hein. Minuit et demi, il y a du monde. En fait, je pense qu'il faudrait plus d'un canal d'appel. Parce que là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Putain, je parle d'un canal d'appel international, hein, parce que... Il faudrait avoir une attribution de canal d'appel, par exemple, Allemagne, France, etc. Parce que là, c'est la catastrophe, hein. J'imagine même pas la propagation de cet été, ça va être... Je sais même pas de quel côté il est, lui. Il faudrait que je regarde un petit peu sur l'ordinateur. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il y a. Alors... Q is 590. 590, tiens donc. Il y a l'autre qui lui dit 595 alors que l'autre il a dit 590. Vous voulez voir? Allez, on y va, on va voir. 590, est-ce qu'il y en a quelqu'un? Non. 595. Non. Voilà. Santiago, Mr. Max, 5-9 here, no problem. Thank you very much for your call. We regard to the contact and the Seattle Tragic Phone. Ciao, good night. J'arrive pas à copier l'autre station. Alors, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui est ici, quoi. Je sais pas combien il a de puissance, lui, mais c'est pas 10 watts ou 20 watts. Italie. Allez, on redescend. Voilà. 27-550. Roger. On descend. Alors là, j'ai... Il lance un appel sur le 27-540. Ok. Mario. Donc là, j'ai les Italiens en force. Hein. One of the
Alors, cette propagation est horrible parce que elle va monter. Elle va monter d'un coup et puis redescendre d'un coup. Vous avez juste le temps de faire deux petites phrases et puis, puis c'est fini quoi. Alors au mois de mars, je pouvais le comprendre, mais au mois de mai, ça commence à devenir un petit peu embêtant. Alors, c'est là où je veux en venir. Vous avez vite comprendre pourquoi. Allez, encore les Italiens. Et ça sur module. Ouf. Il arrive à friser. C'est impressionnant ça. C'est quoi ça? C'est un FM? Oh, pas un FM quand même. Quand même. Bon. En AM. Voilà, 27,4. Non mais c'est une blague. Ils ont tellement de watts que ça en devient épouvantable. Hein. Alors on va remonter en USB. Alors voilà le 445 vide. Il est vide. Voilà. 0, 0, rien. Et on revient à 455. Il y a du monde, mais... En AM, hein, peut-être. En USB. Mais vraiment très loin, quoi. Alors que c'est le 27-455, c'est quand même le canal d'appel France, quoi. Voilà. Et puis on va descendre, hein, et puis on va recommencer, on va retomber. Voilà, on va retomber sur ça. En AM, en FM. Voilà, c'était en AM. Hein. 27,390. Alors, il y en a certains qui les mettent en LSB. Bizarre. Voilà, ça c'est en FM ça. Je sais pas du tout ce que c'est que cette fréquence. Il oh, y a pas de chômage technique, ça non. Alors,
En AM, 27-335. Et voilà le canal des kilomikes, le 27-325. Alors, 27-325 en USB et en FM. Voilà. Alors tout à l'heure, il y avait un QSO. Il y avait un QSO d'allemand dessus. Impossible de leur lancer un break ni quoi que ce soit. Ils vont répondre pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le petit constat de la soirée. J'aurais bien voulu, hein, j'aurais bien voulu avoir avoir des Français, mais c'est assez compliqué. Et c'est dommage. C'est dommage. J'ai lancé plusieurs appels, mais rien du tout. Quoi. On va essayer, on va voir. Quelle heure il est là ? Minuit 37. Et attention, attention, appel du département du 06. Appel du département du 06, opérateur Stéphane. Opérateur Stéphane qui vous lance l'appel. Voilà. Rien du tout. Ah. Oui. Oui. On dirait qu'il y a le canard dans la Sibie. Et attention, attention les stations en fréquence. Attention les stations en fréquence. Un appel du département du 06. Un appel du département du 06. Opérateur Stéphane. Opérateur Stéphane qui se signale. Rien. Alors, on va voir. Ici, on a... En FM, c'est mort. Et en AM, hein, ça module, hein, sur le 327. Sur le 325. Hein. Ça module en AM. Mais bon. Voilà, voilà, voilà. On va remonter sur les... Hop, sur le canal d'appel international. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est l'heure. Des Américains, des Québécois, etc. Mais bon, les Allemands, à cette heure-ci, il est quand même minuit et demi passé, qui monopolisent les bandes, on va dire, habituelles. C'est impressionnant, surtout en FM, et les Italiens, pareil. Hein. Les Italiens, pareil. Voilà. Après ce joli petit constat, ah bon, alors... Alors... En AM. En AM, sur le 27-555. C'est une blague. On va voir en LSB. Ça m'étonnerait que ce soit en LSB quand même. Je me suis pas planté. Non. Et voilà. Donc, pour vous dire que... Soirée un peu compliquée au niveau des ondes, assez rigolote même, de la modulation, on va dire, difficile, et surtout zéro contact. Alors j'ai mon ami qui est avec sa filaire sur les hauteurs de Nice, qui lui a fait à peu près une dizaine de contacts cet après-midi. Mais là, ce soir, c'est mort. Voilà la propagation dans le département du 06. Passé les 16h, 15-16h, c'est fini.
à part les Italiens, les Espagnols et bien sûr des Allemands. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Un petit truc aussi que je voulais vous dire. Merci pour les commentaires, merci pour les pouces. Voilà ce que ça donne quand j'ai fini de moduler. Alors, vous allez voir, on voit rien du tout. C'est quand même super méga sombre. Ça donne un effet un peu glauque. Je trouve ça génial. Alors, on verra ce que ça donne au niveau de l'image. J'essaye un petit peu tous les angles. Ah, la remontée. Sans glisser avec toutes ces pluies. Voilà. Ah. C'est bon, j'arrive. À bientôt.